Mais pourquoi Kakakoluka Moutouo déjà Azo qui est pratiquement dans la ménopause politique Moutouo Aza vers la sortie, il y a carrière, na, vers la retraite. Et bien là, je ne sais pas si je suis en train de faire un peu de université, il y a des catholiques consorts, ou bien ils se distinguent. Est-ce qu'il y a un FCC, un jeune leader, un peu de Atile biso papa Ilunga, oh to pesi ba bonne chance, courage et nalana ki premier discours na lobi ke ya yé pona ko travailler. Ayé pona ko travailler, il fallait relever un défi. Bonne chance à toi papa. Mais quand même ba congolais belé ba mituni ba question, il fallait quand même tout monde appeler un premier ministre jeune qui a encore de la force, qui peut mobiliser, qui peut se déplacer facilement, qui peut parler devant la masse facilement. Et voilà. Et puis en plus de cela aussi, Batubalobi qui papa Ilunga, Aza méconnu, na public, bah il était. Est-ce que ça jeté bah ça libiso? Voilà, Batumusu nous a tenu bah question, voilà. Bien, merci, bana poto, bana monde entier. Encore une fois, les vôtres, les préférés, l'aimable Jérémy Luemba pour les intimes, le renard du désert, la force neutre, l'avocat de la jeunesse. Nous sommes là, encore une fois, bonjour et merci pour votre particulière attention. Madame, monsieur, comme vous le savez, l'actualité politique reste dominée par la nomination du nouveau Premier ministre, le professeur Sylvestre Ilunga, mais aussi les retours triomphales du chairman Moïse Katumbi Tchapou hier à Lubumbashi. Donc, Banakin, je pense que Bandego Apoto, Boutalaki Bévenement, en gros, avec beaucoup d'attention. Tout ça, à Kinshasa, la capitale, il y a RDC, donc la paix règne, la tranquillité est là. Nous sommes dans la paix, comme souhaite le chef de l'État actuel, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, ma solidarité que. Tout le monde a qui retour triomphal à Tia Ndéonabiso, Moïse Katumbi, après 3 ans d'exil forcé, a regagné Lubumbashi, bon monde a qui plein, a craqué, bon monde a qui comment est-ce que bah, le choix bah, remercier qui est pour la fidélité naïe vis-à-vis à Bango, bah, remercier qui est le sous par rapport à nous, c'est ça qui est le bande à Mboka, par rapport à l'économie à Mboka, par rapport à bon déroulement, il y a climat politique dans Lubumbashi et puis à travers la RDC. Pour qu'il peut discours, il y a les bossus à Moïse Katumbi. Il est revenu pour la paix, pour la consolidation de la démocratie, pour la reconstruction à Mboka, mais aussi pour le respect de la Constitution. Voilà les tout premiers mots où Moïse Katumbi a lâché qui, hier dans Lubumbashi, à travers la presse, dans les médias, donc ça là qui, Bandego Ming bien. Mais vous voyez également que Jean-Pierre Bembappé ou Alamouka a annoncé que s'il, si possible, d'ici la fin de ces mois, à Ozana Congo. Il n'y a pas que lui, il y a également Antipas Mboussa Nyamouissi, Oazo préparé la valise pour gagner Kinshasa. Donc voilà, on a 100 jours, il y a fait Tshisekedi. Te retenir le plus grand point, c'est la décrispation, il y a climat politique. Rappelez-vous, ça a été signé un accord il y a 5 ans. À l'époque, feu Étienne Tshisekedi de Moulumba, c'est là qui leader, il y a rassemblement, bah, signé qui accord Rwanda. Il fallait qu'on assainir le climat politique. Également, on a libération des prisonniers politiques et retour des exilés politiques. Tout le monde a dit que le syndicat d'Okolo a circulé librement dans le territoire congolais. Et parce qu'il est fils du pays, c'est son droit le plus légitime. Donc, c'est encourageant. Et M. Katumbi a remercié l'autorité en Mboka pour nous délivrer qui est le passeport. Tout le monde peut Salomon escader là-haut. Il y a le bras droit de Tshisekedi, plutôt Moïse Katumbi. Il peut annoncer retourner bientôt. Il y a là-bas délivré le passeport biométrique. Donc, voilà. Dans l'ensemble, Bandeko tout babima li baki mamboka pour na ba raison politique X et Y, ba raison bazo reconnaître même pas jusqu'à ces jours, bango tout bazo na mboka. Ça prouve que la démocratie vit dans notre pays. Ce que nous voulons, c'est ça. D'abord, la liberté de chaque citoyen. Rappelez-vous à l'époque, ba Congo bazo vivre le roi net na kati ya prison moro à ciel ouvert. Tous en Congo, mais tous vivre net tous en étranger. Et dérangera les Congolais moins mingi. Même il y a des sports qui sont à l'aise, le loba ozonga comme ils veulent. Et puis, misale de salamaning, vous allez vous souhaiter. En tout cas, bonne chance à tous les exilés politiques qui sont de retour au pays. Donc, au bout de travailler dans la paix, dans la cohésion et puis dans la concorde. Mais il y a mon tout, les alignes,
tout monde qui tozo qui nouveau président fait Tshisekedi tant ayé a jubizo presque 3 ou 4 mois sans gouvernement sans premier ministre bandeko baloba ki moi mingi ils avaient qui ba tractation entre FCC na cash mais finalement ils avaient qui tantôt Vital Kamerhe et ba nommé selon ba accord signé na Nairobi entre l'UDPS et l'UNC au cas où le président fait passer président de la République UNC à Kamerhe et ba rosa primature mais tout moni en fait bah contourner encore Rwanda par rapport à la constitution majorité parlementaire FCC bah récupérer siège na bango bah récupérer poste na bango bah nommer le biso un certain professeur Ilunga Sylvestre au biso génération l'auto yébité parce que biso de la scène politique toi acteur politique moins belé ouais mon bout tout bango bah figure clé bazali bah Kengo Adondo bah Mokolo Apombo bah André Alain Atundu Liongo bah Boboli le Congo personnel et certains leaders tu vois le gars bah vient biso bah Chimbombo Mukuna bah tout bah Salagi à l'époque y'a mon bout tout qui sont des figures emblématiques des figures reconnues des figures clés mais hier vers midi tantôt qui bah cité combo y'a il y a papa Sylvestre Ilunga, docteur en économie, professeur des universités de Kinshasa. Bah, il y a un ancien Mobutiste. Il a été nommé à 3 reprises ministre sous le régime du maréchal Mobutu. Il a été conseiller dans plusieurs ministères. Il a été secrétaire général dans le ministère, dans le portefeuille. Il a été plusieurs fois mandataire public. Il a dirigé pas mal des entreprises dans la RDC, dans Zaïre à l'époque. Donc on a compris que c'est quelqu'un qui a de l'expérience à sa vie routée de la scène politique zaïroise actuellement appelée Congo. Mais un monsieur discret, pas connu dans le grand public, un monsieur qui n'est pas trop visible, un monsieur qui n'est pas trop conflictuel, un monsieur qui ne passe pas à la télé, un monsieur qui n'est pas conflictuel, un monsieur qui n'a pas beaucoup de problèmes. En bref, est-ce qu'ils ont des oiseaux rares que les Congolais cherchaient? C'est ça la grande question. L'oiseau rare qu'on cherchait, peut-être c'est prématuré dans le Congo ou dans la minute, par rapport au contexte actuel, par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ça, messieurs, Sylvestre Ilunga, madame, monsieur, seul l'avenir nous donnera raison. Bah, Congolais, bah, ça a soif de revivre une vie décente. Bah, Congolais, bah, ça a soif de revivre une vie équilibrée sur le plan social. Économique, sur le plan sanitaire, sur le plan éducation, il faut attendre gratuitement école primaire comme ça a été prescrit dans la constitution d'Abisso. Soins de santé primaire, il faut être pris en charge par l'État congolais parce que l'État ne doit pas pleurnicher, l'État doit mobiliser les moyens, il doit les mettre à notre disposition pour que les Congolais aient soins de santé primaire gratuitement. Malaria, Ebola et consorts, il faut que l'Abisso ait un centre à l'État, un faible prix. Faible coût. Et c'est comme ça que nous voulons. Alors, Premier ministre actuel, selon le président Félix Tshisekedi, il doit respecter son programme, sa vision, sa ligne de conduite. Mais, tu as dit, mission primordiale, il y a Premier ministre actuel, et Rosala Nini. Vu la réalité, le lot de vivre, n'a pas si mot qu'on a pauvreté. J'ai suivi sur la RFI, journaliste français, Bazakosa, analyse Balobi Bouibabi, les Congolais vivent dans une pauvreté massive et profonde. C'est trop dire. Une pauvreté massive et profonde. Veut dire quoi? Une pauvreté généralisée. Profonde veut dire quoi? Donc, ils allaient la dernière couche. Vous voyez qu'il y a un de faire à le matin, au foot, le soir. C'est catastrophique. Alors, le Premier ministre actuel a un défi. Il doit relever plusieurs défis. Sur le plan socio-économique, via Bissoba Congolais, le panier du ménagère, il faut échanger. Tout le monde a dollar et atteindre. Tout le monde équilibré. Bilo européen a marché équita. Parce que quand on continue à lire, il y a un régime kabilien, tout le bâti qui est Bissot, ils ont l'Iwa. Ils ont l'Iwa. Mes très chers Congolais. Alors, tu as tenu ma question. Pourquoi Ndeko Félix a mis une proposition à président Kabila? Il y a quelqu'un qui est déjà âgé. D'autres réunions nous parlent de 78 ans. Mais hier, Top Congo nous a éclairci. Non, M. Sylvestre Ilunga a 73 ans. Bon, c'est son âge. Babi a travaillé dans mon bout, donc c'est vrai, c'est un vieux.
Azana génération Batundu, génération Bakengo, génération Batisekedi et autres. Mais pourquoi Kaka Koluka Moutou, oh déjà, Azo qui est pratiquement en ménopause politique. Moutou Aza vers la sortie, il y a carrière, na, vers la retraite. Et bien là, je ne sais pas si je suis en train de faire un ISC, na ba université, belé catholique consort, ou bas aller qu'on s'est distingué. Est-ce qu'il y a FCC, bas jeune leader, bas athé, ben dis-moi n'engaye. Bas jeune compétent, na ba na kata bas pépère, des bas alaraté. Bas premier ministre, bas 40 ans, bas 35 ans, tout ça bon à commenter, c'est impossible. Non, nous devons voir autrement les choses. Tu le bêtes que papa Ilunga est incapable, toi Zali incompétent. Tu le bêtes Zama yele docteur en économie, mais le poids de l'âge aussi joue. On a connu le premier ministre Antoine Gizenga, bah nous makaya on a bah peu plus bah âge bah 80 ans, bah 70 kingani. À sa si sa mission a été. Après 2 ans, il avait cédé, bah remplacé par son neveu Adolphe Mouzitu. Donc voilà, et ça, bah, circonstances, tout le monde déjà n'a pas beaucoup de billets, puis n'a beaucoup d'ambition. Mais quand même, bâtir les bisous, papa Ilunga, oh, tu peux si, bah, bonne chance, courage. Et n'a pas mes discours, n'a pas le Il y a pour travailler. Il faut arriver à des filles. Bonne chance à toi, papa. Mais quand même, bah, quand on les billets, bah, mettre une question, il fallait quand même tout le monde appeler un premier ministre jeune, qui a encore de la force. Qui peut mobiliser, qui peut se déplacer facilement, qui peut parler devant la masse facilement. Et voilà. Et puis en plus de cela aussi, Batoubalobi qui est papa Ilunga, Aza méconnu, na public, est-ce qu'ils ont jeté Sali Bisso ? Voilà, Batoumoussou nous a tenu ma question. Ce n'est pas moi, Azor, il est un message. Parce que les Congolais sont libres d'analyser partout, dans les réseaux sociaux, dans la place publique, puisque le Congo nous appartient. C'est notre pays, au fait. Nous savons que c'est le pays, c'est la RDC. Après plusieurs pressions, plusieurs tractations, plusieurs négociations, plusieurs rencontres entre le président Fatih et l'ex-président Kabila, la réponse ou encore le résultat, c'est M. Sylvestre Ilunga. Bon, tu es bien été, tu es pour critiquer Mingite, tu es pour juger Mingite. Topé ça étant, tose la composition au gouvernement. Cette fois-ci, il faut rigueur et ça. Mais quelque part, nous sommes contents parce que. Batumingi toi baki na siège ya président Kabila. Oui, moi le baraki non, je n'ai pas 15 bons collaborateurs avec moi. Bato bazaki na siège na bazaki ko où est la poste on est primature. Entre autres, tout le monde qui Albert Yuma, tout le monde qui bandeko Minaku, il y a beaucoup de noms batanga qui bandeko Mova et consort. Bato bazaki vraiment na ceinture ya président Kabila. Que ben qui ba on est baroso ba primature wana, bandeko Matata, bandeko Shadari et consort. Mais Dieu merci. Tu sais que poule ouante, tu sais poule moussousou. Poule ya mouboutiste. Bah la moussi mouboutiste mou ba pesi makambo. Alors papa Sylvestre Ilunga, ba Congolais nyo so ba pesi yo bonne chance. To rote la ka yo. Dio na yo na papa Félix Tshisekedi. To linge za la dio moko bénéfique pour la population congolaise. Et za la dio moko historique au fait. Tout le monde non, bah Kassaye wana, bah Nigonabiso wana, bah qui me pouvoir, bah ça qui me salam alam. Abat le tribalisme, bah nous sommes comme non, bah tribaliste, papa Félix Azat tribaliste, ça jusqu'à Nigoné Ilunga Moulou, bah non. Qui vous a dit que quand travailler dans ta province ne veut dire que Yaoundé, il est quoi la seconde Moulou bah, Azapé Moulou bah, Téza Katangé, bah Bengé Moulou bah 4. Ozomona. Parce que dans ce monde, on a par-ci, par-là, on a dit qu'il y a un homme qui a été fait, il y a un homme qui a été fait, il y a un homme qui a été fait. Mais le nom, il y a un homme, ça va de pair, il y a juste une tribu, donc voilà, il n'y a pas de souci. Les Congolais sont unis, sont un. Ils combattent, ils province ils divisent, donc voilà, nous devons regarder dans la même direction. Le bateau est au bayard, alors, Bapé, sa papa, il a une chance, il a travaillé pour que Tokyo n'y bosse. Je pense que c'était l'essentiel. Madame, monsieur, tout le monde va retourner à Katumbi. Va retourner à Ndegonabiso, au départ, Ndegonabiso, le syndicat d'Okolo, qui est un grand patron millionnaire, qui a beaucoup investi dans Angola. Donc, si Bapé, CP, couloir, Bapé, CP, chance, opportunité à investir à Wanakouna, dans le domaine immobilier, dans le domaine de santé et autres, même éducation, certainement, tout le monde a cette fois-ci économie à Kongo boosté. Et puis les choses vont aller avec l'assurance.
Mes très chers Congolais, mes très chers compatriotes, diaspora, je pense que tous ensemble. Mais dans l'actualité politique également, s'ajoute l'affaire la mère Mende, où il y a un candidat gouverneur, Azaki confronté na candidat Moussousou, mais l'autre candidat était mis à part par la justice, la CENI, je ne sais pas trop. Je pense que l'histoire est bien. Alors, Ndeko Mende a été interpellé par la police. Alors, dossier Ango Peli Moto, je pense qu'hier vous avez suivi Ndeko Basile, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur, a expliqué le dossier. Mais quand Moussousou peut en niveau au Parlement, non, mais c'est Mende. Azali élu, Azali député national en fonction. Azali bénéficie d'une immunité parlementaire. Donc, il faut saisir n'importe comment. D'où, monsieur le ministre intérieur, papa Ndeko Basile, il n'est pas allé convoquer un niveau parlement. Il faut se justifier. Donc, voilà comment la politique, la démocratie marche. C'est ce que nous vous avons souhaité, la démocratie. Donc, voilà. Ils ont pris un caprice. Mais dossier à Ndeko Mende. Donc, c'était bien moi, le vôtre, le préféré, l'aimable Jérémy Luemba, le renard du désert, la force naître, l'avocat de la jeunesse. Nous sommes là. Alors, abonnez-vous massivement sur Équilibre Télévision. C'est votre chaîne, madame, monsieur. Équilibre Télévision, nous l'avons conçu pour vous divertir, pour vous informer également. Donc, abonnez-vous massivement. Un grand merci à mes partenaires. Là, je vois directement. Maître Sizasukama, puissance Yamikili. Maître Sizasukama, l'infatigable, merci pour tout. Merci également à mon vieux Serge Lukoki, le mannequin d'Orléans. Toujours élégant, Serge Lukoki, papa Nachéidi, Lukoki. Et sans oublier celui qu'on appelle le Montouzing, il faut mon Jean-Claude, chef coutumier, mon vieux de tout le temps. Nabosani Pété, Bassio à poids, Bassio à valeur. Nabosani Pété, maman Elisa Litoulia, 0044, les vrais codes à Londres, maman Elisa Litoulia. Clin d'œil spécial à toi. Maman Fifi Kilolo à Paris, Tobosani Pété, maman Fifi Kilolo. Et sans oublier, maman, madame Feta Bébé Limbiti, maman sociale, Nakati Australie, Joël de Wissa également, Napi Siombote, Nakati Australie. Nabo Sanité Bato Yangai, donc, Piko Kiedika Songo, Motema Muriel Bantu. Piko Kiedika Songo, donc, restons ensemble, papa Kole Lumba en Allemagne, Bato Bazaranangai, donc, je vous aime beaucoup. Nazo Kimwa Taming, il y a repos, parce que le corps a également ses faiblesses, donc, Napi Maki. Maintenant, nous sommes là pour continuer à travailler. Et appelez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans, plus 243. 89 50 61 702. Je vous aime beaucoup. Check à suivre et à la prochaine.